Cela dit, le Premier ministre malien Choguel Maïga a effectué une visite officielle au Burkina ce 29 décembre où il a été accueilli par son homologue Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela. Les deux chefs de gouvernement ont échangé sur les relations bilatérales et sur la situation sécuritaire dans la région. La délégation malienne a également remis des décorations de l'État malien au Premier ministre et à son ministre du Commerce. Pourquoi ces décorations? La réponse avec Dramane Guéné. À l'accueil du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela, chef du gouvernement burkinabé. Le passage à Ouagadougou est mis à profit pour magnifier les relations d'amitié et de coopération entre le Mali et le Burkina. Dans la valise de la délégation, une distinction de l'État malien au chef du gouvernement burkinabé. Au nom du président de la transition, chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Le nouvel officier de l'ordre national du Mali reçoit sa médaille sur place. L'attestation, le décret de nomination et les félicitations du pays frère. Nyanyodem Boda. Pour cette cérémonie, l'État malien décerne également une deuxième médaille au gouvernement burkinabé. Elle revient au ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le ministre Poda est nommé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Au-delà de notre modeste personne, il s'agit donc du peuple burkinabé. Il s'agit donc de la qualité, de la relation entre le Burkina Faso et la République du Mali qui sont ici magnifiées. Nous voudrons donc saisir cette opportunité pour exprimer toute notre gratitude aux plus hautes autorités de la République du Mali. Toute notre gratitude est aussi adressée aux plus hautes autorités du Burkina Faso qui nous ont permis de servir le peuple burkinabé sous leur leadership à ce niveau donc de responsabilité. Nous dédions cette médaille, cette distinction honorifique aux autres autorités du Burkina Faso, à tout le peuple burkinabé, à nos collaborateurs, à notre famille et à tous nos amis. Après la cérémonie, les deux chefs du gouvernement embarquent dans le même appareil pour le Niger. Ils vont prendre part avec leur homologue nigérien à la rencontre des chefs du gouvernement des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel.